Le passage du Lamed Av, le 30 Av. Alkena Uvai Achai. C'est pourquoi, suite à ce qui vient d'être dit, écrit, mes bien-aimés, mes amis, Simuna Levafrem, s'il vous plaît, mettez à cœur les Ele Advarim Aneemarim Biktsara Meod. Ces paroles qui ont été dites vraiment de manière très très limitée, très courte. Vezrat Hashem PLP Adababam Barucha, Bezrat Hashem, l'aide de Dieu, je leur parlerai directement. Et de manière et longuement, comment l'essentiel du service d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, dans nos moments, dans notre époque, dans notre temps, Beikvot Meshicha, l'étalon du Mashiach, l'époque qui précède l'avenue du Mashiach, Hiyavodat Atzdaka, c'est le service, le travail de la Tzedaka, Kmo Shamru Razal, comme nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit. En Israël Negalim et la Bitzdaka. Israël, le peuple d'Israël ne sera libéré uniquement par la Tzedaka. Velo, Amurazal, Tamut Torah, Shakul, Keneged, Gimilut, Chassadim. Alors, ce que nos maîtres ont dit, effectivement, ils ont dit autre part, que l'étude de la Torah équivaut le Chesed, même les Gimilut, Chassadim. Donc, à partir de là, la Torah, apparemment, l'étude de la Torah est priori, est plus puissante que, est plus importante, si on veut, que Gimilut, Chassadim. Et là, on vient de dire que quoi? Que l'essentiel de Avodat Hashem, c'est pas les limouda Torah, le Moazakani. L'essentiel de Avodat Hashem maintenant, c'est la Tzedaka. Alors, on dit, ce que le Chachamim ont dit, que la Torah, eh bien, équivaut, pèse plus, si on veut, plus de poids que Kimilut Chassadim et que tous les autres mitzvot, et la Bimehem, ceci parle, le Chachamim ont parlé, Bimehem, à l'époque, uniquement à l'époque des Chachamim, des Razal, de ces Chachamim qui ont dit chez Talmud Torah Yeikar Avoda, car l'étude de la Torah, effectivement, à leur époque, il y a 1200 ans, effectivement, c'était l'essentiel de Avodat Hashem, Etzlam, Belken, Ayu, Chachamim Gdolim, Tanaim, Amoraim. C'est pourquoi nous trouvons que les Talmidei Chachamim, ils étaient vraiment des très très grands Chachamim, les sages étaient des grands sages, parce que c'était le travail Avodat Hashem. Par exclusivité, c'était l'étude de la Torah. Donc, ce qui est dit, Talmud Torah, Shakul, Keneg, Gimul, Chassadim, ceci, la Moïse qui nous dit, était uniquement au temps du Talmud et des Mishnayot, au temps des Chachamim de l'époque. Mashéen, Kenikvot, Meshicha. Ce qui n'est pas ainsi, Beikvot, Meshicha, dans l'étalon, l'époque, l'étalon de Mashiach. Shenafla, Soukad, David, dont la maison de David, est tombé ad bechinat raglaim vakevaim. Donc on dit sous cas David, ici on fait référence au niveau spirituel à la royauté. David Amer, c'était donc le melech, le roi. On fait référence maintenant au niveau de malchut de Hatzilut, que ce niveau là de malchut de Hatzilut va devoir influencer les niveaux les plus bas, ad raglaim vakevaim, jusqu'aux pieds et aux talons, shei bechinat asiya. Ceci est le concept de Asiya, de l'action. En derech, le dovka ba behemet, il n'y a pas d'autre chemin pour s'attacher en Akadosh Baruch Hu réellement, ou la fracha shucha linhora. Dis-là, et de transformer son obscurité à sa lumière, à la lumière, qui imbeprinat Asiya, uniquement par l'action. Étant donné que le malchut, Souka David, est tombé jusqu'au niveau de Asiya, donc il faut avoir affaire à Asiya. Tu ne veux pas avoir affaire à un autre domaine d'Avoda, parce que tu ne vas pas toucher la Asiya, tu ne vas pas pouvoir la transformer. Étant donné que le monde est descendu tellement, tellement bas, et bien justement, c'est là au niveau, là où se trouve la matière, la plus c'est cette matière qu'il faut maintenant avoir affaire, et c'est elle qu'il faut avoir, servir avec elle à Kadosh Baruch Hu, et c'est l'essentiel de l'Avoda. Kayadou la maskilim, comme il est connu pour ceux qui y étudient, ceux qui sont dans l'étude de la Kabbalah, Shebichinat Asiya Be'elokut, que le concept de l'action en ce qui concerne Elokut, la divinité, Hibichinat Ashpa, que veut dire Asiya, que veut dire faire au niveau de la divinité, c'est l'influence vers Mshachat Achayut, l'influence de la vitalité, les mata mata, en bas, les mains de l'être, les migar, mais pour celui qui n'a rien
en lui, qui n'a rien de par lui-même, c'est-à-dire d'aller et d'aider, d'influencer celui qui n'a rien du tout. Le fait d'aller influencer, donc, le niveau de Malchut qui va maintenant, de la cellule qui va descendre jusqu'à ce monde-là, quand lui-même il n'a rien du tout et qui n'existe uniquement de par l'influence divine, cette vitalité est appelée Asiya. Donc, de la même manière, nous aussi, nous allons faire Asiya, nous allons avoir affaire au concept à transformation de Asiya, uniquement lorsque nous allons avoir affaire à la Tzedaka et au Chesed dans les domaines matériels. Celui qui va sacrifier son mauvais penchant qui l'empêche, il va le prendre, il va le sacrifier, il va pas l'écouter. Ou poter yado ou le vavo, il ouvre sa main, il ouvre son cœur. Il doit savoir qu'il soumet, il prend l'autre côté et il la soumet. Donc ta puissance de pouvoir soumettre l'autre côté, la force du mal, c'est une force puissante. Maintenant, il faut savoir que lorsque nous allons faire itkafia en nous, Nous allons soumettre nos envies, nous allons à travers ceci soumettre la force dans son essence même du mal, de l'impureté. Et pas seulement ça, il va même transformer l'obscurité à la lumière. Akadosh Baruch Hu Ashochen Aleinu. Akadosh Baruch Hu réside sur nous. Akadosh Baruch Hu est toujours avec la personne, particulièrement lorsqu'il fait une mitzvah. La lumière de Hashem descend et s'investit dans l'action même de la mitzvah. Biprinat Asiya, et ceci descend, bien sûr, jusqu'au niveau de Asiya. À ce niveau-là, à Kadosh Baruch Hu, la lumière se transforme, l'obscurité devient une lumière. Beikvot Mishicha. Et de plus, l'importance que ceci se fait à la veille de Mashiach, lorsque l'obscurité est tellement grande, et il arrive malgré ceci. Alors que nous, on ne voit pas tout ça. On se trouve dans l'obscurité tellement longtemps qu'on ne voit pas. On ne voit pas le problème. Nous vivons, mais c'est devenu normal. On vit dans l'obscurité. Mais la réalité, c'est que c'est une obscurité totale. Et lorsque nous faisons une mitzvah, on nous emmène une lumière extraordinaire. Donc nous sommes vraiment des champions. Vizkel irot ein be'ein. Il méritera de voir, de la même manière qu'il amène la lumière, lui aussi pourra voir ein be'ein, comme l'œil en haut dans le ciel. Elle peut voir toute cette lumière, la vérité qui est claire, qui est évidente. Lui aussi sur terre, il pourra la voir, la réaliser. Beshuv Hashem Tzion. Lorsqu'Hachem revient à Tzion, à l'avenue du Mashiach, Hulus, alors, Akosh Bokhuv, Nigla, Kvod Hashem, Betechezena Enenu, Beshuvcha le Tzion, comme on dit, que nos yeux puissent te voir réaliser lorsque tu reviens. Donc, c'est l'ouverture, l'œil, qui va maintenant être grand, bien ouvert, le shaker, le voile, l'obscurité va disparaître, et on sera uniquement que dans les niveaux de révélation de la lumière d'Akadosh Baruch Hu.